Le Seigneur Jésus-Christ soit loué. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu véritable, c'est lui. Lui qui nous donne l'être, la respiration, la vie et le mouvement. Avant que son nom soit béni. Avant que son nom soit loué à jamais. C'est à lui que nous appartenons. Nous ne sommes pas le peuple des hommes, mais le peuple de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et nous ne sommes plus esclaves des hommes ou du péché. Mais nous sommes le peuple saint du Seigneur. C'est vraiment un sujet d'honneur auquel nous nous glorifions. Encore une fois, que son nom soit béni à jamais. Amen. 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 Nous allons nous lever pour la lecture. Nous prenons notre texte de 2 Pierre, chapitre 1. Prenons le verset 5 jusqu'au verset 7. Ou même jusqu'au verset 8. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. À cause de cela même, nous lisons au nom de Jésus-Christ. À cause de cela même, faites de tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité ou l'amour de Dieu. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Et il ne voit pas loin. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. Nous allons lire là-bas à la fin et puis nous allons entrer au chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 31. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, aspirez au don le meilleur. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Le verset chapitre 13. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, et si je n'ai pas l'amour ou la charité, je suis un erreur qui résonne.
Ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour ou la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. La charité excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie. Et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, j'ai parlé comme un enfant. J'ai pensé comme un enfant. Et je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure. Mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu de Dieu. Maintenant donc que ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Rechercher la charité, aspirer aussi au don spirituel, mais surtout celui des prophéties. Vous pouvez vous asseoir. Nous prenons Jean chapitre 13. Chapitre 13, verset 34. J'ai dit au nom de Jésus-Christ, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé,
vous ceci, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous baissons nos têtes et nous recommandons ces instants entre les mains de Dieu. Prions que le Seigneur puisse nous parler. Lui qui est l'enseignant de cette alliance. Prions que le Seigneur puisse nous être favorable. Que le Seigneur puisse nous ouvrir les cœurs, les oreilles, l'intelligence. Prions au nom de Jésus. Merci d'avoir. Utilise-moi, Seigneur,
Agite-moi, Seigneur, comme un simple instrument, ô Dieu, pour le salut des âmes. Il est écrit, l'œil qui voit et l'oreille qui entend, c'est toi qui les as fait l'un l'autre. Donne à ces peuples, Seigneur, l'œil de voir ta parole. Donne à ces peuples, ô Dieu, l'oreille d'être écouté comme écoute un disciple, Seigneur. Fais-moi la montée, ma vie, ce Seigneur. Poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Seigneur, ô Jésus, c'est pourquoi nous le recommandons à toi. Parle-nous, ô Dieu, ouvre nos cœurs, ô Jésus-Christ, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié de la grâce. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Le Père de notre Seigneur. Que son nom soit béni. C'est pour lui que nous nous retrouvons en Seigneur. Si nous célébrons le culte d'aujourd'hui, c'est en son honneur seul. C'est à l'honneur de Jésus-Christ. C'est à cause de l'honneur de Jésus que tu as quitté ta maison pour venir ici. Que tu as conseillé de laisser tes occupations pour te retrouver en Seigneur. Avant que le Seigneur Jésus ne te renvoie pas à vide. Non, que le Seigneur Jésus ne te renvoie pas à vide. Le Seigneur Jésus-Christ te fasse du bien. Que le Seigneur puisse te consoler dans tous tes soucis. Que le Seigneur puisse te consoler dans tout ce que tu as comme affliction. Parce que si tu as part à la souffrance ou aux afflictions, tu as aussi part à la consolation. Et ta consolation ne viendra pas d'un homme. Ta consolation viendra de la part du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui connaît tous tes soucis. Et là, il ne faut même pas t'en inquiéter, il fera quelque chose à ta faveur. Même si tu t'es dit que ta souffrance a trop duré, le Seigneur est là pour te dire qu'il fera quelque chose à ta faveur. Ne pense pas que le temps a dépassé, non. Mais ne pense pas ainsi. Crois que le Seigneur va ouvrir certainement. Il est derrière la parole que je suis en train de dire. Il va ouvrir certainement. Quand tu viens à l'église, crois que tu viens à la rencontre de Dieu. Au-delà du pardon du péché qu'il t'offre, il te donne aussi la prospérité matérielle et financière au nom de Jésus-Christ. J'ai dit que le Seigneur connaît tes soucis. J'ai dit que le Seigneur connaît tes pleurs. Lorsque tu t'enfermes dans ta chambre en train de pleurer, lui te voit. Et le Seigneur va essuyer tes larmes au nom de Jésus-Christ. Si c'est au sujet d'une faiblesse, lui qui t'a appelé, il est fidèle. Il va perfectionner ta vie. Il va t'affermir. Parce qu'il n'est pas comme un homme. Quand il appelle, il doit achever l'œuvre qu'il a commencée. Nous ne l'avons pas connu de nos propres efforts. Mais c'est lui qui nous a appelés. Et c'est Seigneur Jésus-là, il est fidèle. Toi, ne regarde pas ce qui se passe dans le monde. Pour te décourager,
encourager aussi, j'ai de la marche. On a volé, puis ça m'est emboli. Mais la Bible dit, ayez les regards fixés sur Jésus-Christ. Lui qui est le consommateur de notre foi. Il est le consommateur, il utilise notre foi. Alors, il commence l'œuvre et il l'amène à la perfection. Il sait que tu es quelque part au Congo, il doit s'occuper de ta vie. Il ne faut pas te déconsidérer dans ces choses. Il faut avoir la foi comme tu le chantes toujours. Il ne me quittera jamais, il ne me laissera pas ici. Tant que j'ai la foi et que je fais sa volonté. Parce qu'il est le Dieu de grâce, le Dieu de paix et de miséricorde. Il connaît bien ta vie. Amen. Nous étions dans notre enseignement toujours sur les choses conformes à la Sainte Doctrine. Allons lentement. Nous étions dans notre enseignement sur les choses conformes à la Sainte Doctrine. On parlait sur la pierre à sept yeux. Et on était arrivé sur la piété. Et là, on avait ouvert aussi des sous-points pour parler de la parure de la femme. Du voile. On a parlé aussi de la Sainte Seine. On a parlé aussi des offrandes du culte. Parce qu'on devrait expliciter sur la piété. Je vous dis que nous sommes en train de tenir un enseignement. De notre côté, nous ne sommes pas pressés à aller vite en maison. Non. Notre souci est que vous puissiez saisir les choses une après l'autre. Et c'est ça la tâche qui nous est impartie. Ce ministère doctoral. De faire asseoir les gens dans la parole de Dieu. Et leur donner des détails, des choses qu'ils ont du flou à comprendre. C'est ce que nous nous efforçons de faire par l'assistance du Saint-Esprit. Et je crois que le Seigneur aussi va vous aider de votre côté à comprendre. S'il y a une difficulté quelque part, nous prions de nous poser des questions. Soit directement pendant les cultes, ou soit vous écrivez sur une feuille, vous nous les envoyez. Les questions que nous serons capables de répondre par rapport à notre grâce, nous allons répondre. Celles que nous n'aurons pas encore plus de précisions, nous allons les renvoyer même prochainement. Il est temps pour nous de prier, de méditer la parole et de partager aussi avec les autres. C'est comme ça qu'on travaille dans l'œuvre du Seigneur. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas tout connaître. C'est pourquoi la parole de Dieu doit être dispensée avec simplicité et fidélité. Et je disais que tout ce que nous avons déjà vu ici, ce sont des choses que nous devons pratiquer. Plus focalisé dans les choses pratiques. Nous ne sommes pas d'abord dans le sujet de prophétie, mais pratique dans l'église. Il y a eu des choses qu'on a vues, qu'on avait abandonnées depuis longtemps, mais nous devons revenir à ça. Parce que c'est ça la doctrine des apôtres. Une église qui est bien positionnée dans la doctrine. Lorsque viendra les faux enseignements. Et lorsqu'on
prophétique, vous serez déjà bien positionné par rapport aux bases, aux jalons qu'on a déjà y apposé dans le monde. Amen. Parce qu'il est écrit, si je tarde, sache comment te conduire dans la maison de Dieu. Qui est l'église du Dieu vivant? L'appui est la colonne de la vérité. Amen. On dit à un ministre, qu'il sache comment se conduire dans la maison. Et maintenant, aujourd'hui, nous allons faire une introduction sur l'amour fraternel. Ça aussi, c'est un grand sujet. Amen. Parce que c'est un fardeau que le Seigneur nous a laissé. C'est une dette du Seigneur. Parce que le Seigneur a pris notre dette. Le Seigneur a payé notre dette à nous. Mais il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a aussi donné sa dette. Donc en payant notre dette, nous sommes devenus débiteurs du Seigneur. Amen. Nous sommes devenus les débiteurs du Seigneur. Et cette dette-là, c'est l'amour fraternel. C'est s'aimer les uns les autres. Alors c'est très important que nous puissions savoir. C'est très important que nous puissions parler de l'amour fraternel. Parce que si cette chose-là s'effrite ou commence à disparaître dans l'église, nous cessons aussi d'être les disciples de Christ. Amen. Nous cessons aussi d'être les disciples de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme moi je vous ai aimé. Et en cela, tous sauront que vous êtes mes disciples. On n'a pas diffusé des débats partout dans le monde. Non. On dit aimez-vous les uns les autres. Et quand vous allez les faire, quand les gens vous verront, alors ils vont connaître que vraiment ceci, ces gens ici sont des disciples de Christ. Mais Jésus dit ceci. Aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Alors la question de se poser, comment nous devons nous aimer les uns les autres comme le Seigneur nous a aimés? Comment le Seigneur nous a aimés? Alors lorsque nous savons comment le Seigneur nous a aimés, alors nous aimerons aussi de la même manière nos frères. Nous prenons l'écriture de Romains chapitre 5. Nous allons lentement pour que tu puisses saisir. Lentement, il faut employer les lingala faciles. Romains chapitre 5. Je lis le verset 5. Tandis de la manquer, j'ai mis au nom de Jésus-Christ. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ est autant marqué. Est mort pour des impies. À peine mourait-on
moto aza malade. C'est ça. Après le mouveton pour injuste. Ces sacrifices-là a apaisé la colère de Dieu. Mais quand on est puritiste,
pour qu'il puisse y bâtir les temples de Dieu. C'est-à-dire que le temple est bâti là où le Seigneur avait manifesté le pardon. Le temple aujourd'hui, c'est aussi l'église de Dieu. Et l'église de Dieu est bâtie là où il y a le pardon. Le pardon, c'est un des caractères de l'amour. L'amour excuse tout. Amen. On dit l'amour excuse tout ou pardonne tout. L'église comme la maison de Dieu est bâtie là où il y a le pardon. Le Seigneur savait une chose. En laissant les disciples sur la terre, tout au long de leur marche, il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Il peut y avoir des tiraillements. Mais je dois aller mettre des barrières. Et la barrière qui nous a mis, l'amour fraternel. L'amour fraternel. Mais on ne peut pas s'en passer, frère. Lui-même, il dit, pour que le monde sache réellement que vous êtes mes disciples, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous aime. S'il n'y a pas l'amour de Dieu, l'amour fraternel entre nous les frères, dans l'église de Dieu, nous ne sommes pas des disciples de Jésus-Christ. On peut venir ici. On peut tout faire. On peut prêcher des grands enseignements. Mais nous ne sommes pas l'église de Dieu. Parce qu'il trouve la haine. Il trouve des rancunes. Il trouve des ruses dans les cœurs. Il trouve des réticences les uns contre les autres. Il trouve des frères qui se saluent, mais dans les cœurs, ils ne s'aiment pas. Comment tu vas reconnaître que tu as l'amour fraternel? Comment tu vas reconnaître que tu as l'amour fraternel? C'est lorsque tu vois ton frère, tu es joyeux dans ton cœur. C'est là que tu vas reconnaître que tu as l'amour fraternel. Si tu vois ton frère, tu sens que ton cœur est en train de s'enfler. Sache que tu n'as pas l'amour fraternel. C'est ça l'amour fraternel. Quand je vois maman Véro, je sens vraiment qu'il a joie dans mon cœur. Quand je vois le frère Bossin, je sens vraiment qu'il y a la joie dans mon cœur. C'est là que tu vas reconnaître que tu as l'amour fraternel. Si tu ne ressens pas ça en voyant ton frère, tu le vois toujours pécheur, pécheur, pécheur. Tu le vois toujours orgueilleux, quelqu'un qui s'enfle. Tu le vois toujours qui répond mal aux gens. Tu n'as pas l'amour d'abord. Parce qu'on dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Je dis, c'est lui qui a enseigné l'enseignement le plus difficile. Sur l'amour fraternel, c'est Jésus-Christ. Quand il dit comme moi je vous ai aimé, vous-même observez seulement les gens que Jésus a sauvés sur la terre. Quand Paul est en train de décrire les natures des gens, il dit comme on était encore dans le monde, on était les gens qui haïssaient les autres. Et nous-mêmes, on était dignes d'être haïs. Quand quelqu'un vient déposer vraiment contre toi, vraiment c'est vrai. Ta nature était répugnante. C'est ce que Paul dit à Tite. Il dit on était dignes d'être haïs.
Peut-être qu'on a de nous aimer les uns les autres.
susu. Sans l'amour, personne ne verra le Seigneur. Tu vas tromper nous les hommes, mais tu vas pas tromper Dieu. Tu connais quand tu t'assois là, qu'est-ce que tu mérites contre tel ou tel. Le Seigneur le sait. C'est lui qui va nous accorder le ciel. On n'entrera pas par nos propres efforts. Personne ne va triompher là-bas par le muscle. Vraiment que ton cœur soit pur. On est ici dans l'église, mais il y a quelques frères qui ne se parlent pas entre eux. Ce sont des choses que Dieu aime. Des choses que Dieu répugne. C'est comme si tu es en train de négliger ce que lui avait fait pour toi. Tu avais mal agi. Mais tu as connaissance de ça.
Mais tu viens à l'église. Oh, yeah, tu sam- pries quand même. Oh, sam- avec la parole, ta prière est nulle. C'est pas moi, c'est l'écriture de Dieu. Ton écriture est nulle. L'écriture que tu as fait, la prière que tu as faite. Le sambo motivo le saliwa ikono yuangani. C'est nul. Bam. Parce qu'on a dit laisse là ton offrande. Et le mal n'a de tita ni tabona ou. Et va d'abord te réconcilier avec nous. Va te réconcilier avec ton frère. Si cet enseignement remplit nos cœurs. Donc il était à la qui fait dans l'enseignement sur l'amour fraternel. Là qui s'y va pour l'immo, la dit ça n'a pas de commencer à agir prudemment. Dans la demande, ça n'a pas de problème. Amen. On va commencer à être des gens qui ne cherchent pas les problèmes. Donc on compte ma bateau va pouvoir faire sous ma cabotée. Parce que tu sais que si tu fais un faux pas, ouais, t'es sûr qu'on voit même des gens qui n'ont tout mal des mots. Les tout, Dieu ne sera pas dans tout ce que tu feras. Si tu ne l'écris pas, ton cœur dira nul. Satan va t'aider. Satan va t'aider. Parce que tu dis nul. Nul. Vraiment nul. Écoute, c'est vrai, c'est nul. Mais on a pris ces choses ici à la légère. Parce que ma cabole. Et comment on a mis le papa? Tout béba de ceux qui te coupent béba. Non, les frères ne vivent pas comme ça. On dit, laisse-la ton offrande et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Et puis je viens t'accorder. Je vais présenter ton offrande. Ici, je ne suis pas dans les considérations prophétiques là-bas. Les frères qui doivent d'abord laisser son offrande. Ici, je prêche d'abord l'amour fraternel que Jésus prêche. Dans la doctrine. C'est ce que l'Église doit avoir. Et dans un autre endroit, on a dit, mais si tu veux présenter ton offrande, il avait fait quelque chose de mal contre toi. Tu es fâché contre lui. Saluer et puis il part. Il n'aime pas trop de
causeries. Maintenant, toi, dans ta nature, tu aimes trop de causeries. Et parfois, même dans des causeries, tu calomnies les autres. Il y a beaucoup de choses à dire sur l'amour fraternel. Comment on agit lorsque tu as un problème avec ton frère? À part ce que nous venons de voir, disons notre dernière écriture de Lévitique. Lévitique 19. Écoutez, je dis vraiment à propos de l'amour fraternel, Dieu a fermé toutes les portes. Pour juger ton frère, il a fermé toutes les portes. Il n'a pas laissé d'issue. Parce qu'un père responsable, il ne supporte pas que dans une maison que ses enfants puissent se tirer. Vous allez voir même des mamans, quand ils voient ses enfants, beaucoup plus de garçons, en train de se tirailler, ils se battent à tout moment. Parfois elles pleurent. Hein, les enfants ne s'aiment pas. Les enfants ne se supportent pas. J'ai parlé, je suis fatigué. À combien de votre raison, Dieu? Ils vont supporter ça dans l'église. Non, Dieu ne va pas supporter ça. Il ne supporte pas ça. On lit l'écriture. Le verset 16. Le Lévitique chapitre. Le verset 16. Et Lévitique chapitre 19. On dit ceci. Alors, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre les sangs de ton prochain. Donc il y a un jugement. Donc toi tu parles comme un faux témoin. Tu t'éloignes aussi à mal contre ton frère. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Dans l'ancienne alliance, Dieu a prêché l'amour. Prenez la loi, et il pourrait dans pour dans. Il a venu vraiment dans sa maison qui était Israël. Il a dit, tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Amen. Tu auras soin de répandre ton prochain. Soin de l'aider là qui sont dans ma bée. À la place de les haïr, si moi il m'a dit, répondez. Il n'y a pas de la question. Soin. Pas ça ou un. Soin ou l'aider là, mon père. Parce que si tu ne le fais pas, il y a un piège qui t'attend, c'est la rancune. De ce que ça, il y a un mot de mon temps, besoin de la haine. Parce que la haine, c'est aussi un piège. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup des églises de Dieu sont dans la haine. Les gens qui prêchent sont dans les pièges de la haine. Tu vas les demander comment? Ils se parlent du mal les uns les autres. Et parfois, dans un tu te dis, ah, je ne veux pas de cet homme pour être édifié, mais comment ils distillent la haine comme ça? Ah non, il ne sait pas prêcher. Si c'était moi, j'allais aller un étape par étape. On ne touche pas ça comme ça. On ne touche pas ça comme ça. Qui les a enseignés? On est même arrivé à un endroit où les autres appellent les autres des enfants adoptifs. Et les autres appellent les semblables des cousins dans les choses de Dieu. Et puis nous on va se dire, ah, bien toi,
mokolo yope. Dans les choses de Dieu. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour les Congolais. Même les Corinthiens, c'est dans la première avait posé la question, est-ce que c'est chez vous que la parole de Dieu s'en fait? À vous seul qu'elle est parvenue. Amen. Les choses de Dieu, ce n'est pas pour un groupe déjà à Kinshasa, en Europe, pour appeler les autres, les enfants, les petits ou les cousins. On dit tu auras soin de répondre. Dieu savait quand les gens vivent ensemble, il y a des problèmes. Et puis les problèmes peuvent les amener à la haine. Et moi, Dieu, je n'ai pas la haine dans les cœurs. Eux aussi sont mes enfants, ils doivent avoir l'amour dans les cœurs. Je continue. Tu ne railleras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de répondre ton prochain. Mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. De se charger d'un péché, c'est quand tu n'as pas plus soin de les répondre et puis tu gardes ça dans ton cœur. Alors pour ne pas porter ça, tu dois les déprendre. Il faut savoir que nous, tels que nous sommes là, nous sommes réprochables. Nous sommes réprochables. Nous connaissons des chutes à chaque fois. Et ton frère est là pour t'aider. Ton frère n'est pas ton ennemi. Dans la marche. Il n'est pas là pour te défavoriser encore. On dit ceci. Tu ne te vengeras point. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Dieu a bloqué partout, frère. Même si c'est toi qui as raison, il a bloqué partout. Il a bloqué partout. Ici, moi, je comprends que les gens ne peuvent se séparer que par rapport à l'enseignement. La division par rapport à l'enseignement. Si aujourd'hui, le rapport que Dieu a changé la scène de Dieu, mais dans les erreurs de la marche, on se supporte, on se pardonne. On se mange pas. Aujourd'hui, ça m'a bien parlé. Si ces choses ne sont pas là, sorti de l'homme, et cette personne est aveugle, il a mis en oubli le pardon de ses anciens péchés. Dans mon cœur tel que nous sommes, trop de rancunes, peu de gens aiment. Il y a des gens ici qui ne supportent pas les reproches. Qui ne supportent pas les reproches. Lui, c'est Superman. Donc, on lui fait des reproches. Il prend une position contre les autres. C'est réjoui de la vérité. Tout le monde est faillible. Passe au monde. Même moi, ton frère, ici. Attends, une soeur peut me réprocher. Moi, je crois comme ça. Et frère Jonas, tu avais fait mal. Tu avais fait mal.
résiste aussi. Mais non, tu avais fait mal, c'est pas l'enseignement que tu prêches. Parce que nous sommes tous faillibles. Et Dieu le savait. Mais il y a des autres quand on les reproche comme ça. Directement la haine dans le cœur. Ah non, il voulait m'humilier devant les gens. Moi je suis père de famille, il voulait m'humilier. Il voulait m'humilier, moi je suis serviteur. Moi une grande maman comme ça veut m'humilier. Non, tu n'as pas raison. Si tu es réprochable, c'est la repentance des chemins. C'est la repentance des chemins. Tu ne vas pas garder les rancunes. Et qu'est-ce que je veux dire? Cultivons ça, cultivons ça. Parce que vous allez vous appliquer. Quand tu vois le mal, prends le courage là. Non, frère, tu avais fait ça. Vous savez, Pierre, hein? Il est allé à Québec. Il est allé prêcher dans la maison de Corneille. À quel côté Corneille? Vous savez ce qui s'est passé? Quand il est revenu, les frères circoncis lui ont dit: tu es entré chez les païens? Encore quand tu n'es pas du soutien, tu as mangé avec eux. Ah vraiment tu es souillé. On est qui sauvé. Vous savez? Oui. Il n'a pas commencé à blâmer les frères. Non, Jésus m'avait laissé la clé, attention. Jésus m'a enfanté. Quand tu es péché, ça faisait 3000 ans. Et vous, vous êtes pour la plupart d'entre vous n'étiez pas là. Moi j'ai souffert pour cette œuvre ici. Moi je suis là, j'ai souffert. Il a dit frère, il a commencé à leur expliquer les choses d'une manière suivie. Et puis ils ont dit, le Seigneur aussi les a jugés dignes du salut comme maintenant. Pourquoi? Ils avaient l'amour fraternel. Chez vous dans votre village, c'est pas ici à l'église que tu vas exercer. Tu es chef coutumier, donc c'est toi qui devais hériter l'emblème de votre clan. Tu vas amener ça ici parce que tu es devenu ministre. Ici, nous sommes tous frères. Nous sommes tous frères. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Quand les rois entrent en fonction, on doit lui procurer une copie de la loi. Mais oui, il les lise aujourd'hui, tous les jours de sa vie. On lui a donné, on a donné le but. Afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus des effets. Dieu savait que vous voyez les gens qui restent là. Ce sont les frères. Tel que toi tu es élevé là, tu seras menacé par les esprits d'orgueil. Tu seras menacé par les esprits de la folie des grands. Il laisse les gens ici. C'est pourquoi je te dis, beaucoup lire les prophètes. Ça va permettre que ton cœur ne puisse pas
s'enfler. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ vous encourage. Nous baissons nos têtes et nous allons prier le Seigneur qui nous fasse grâce. Prions le Seigneur qui nous fasse grâce. Prions le Seigneur qui nous fasse grâce. Sambela Molina, Sambela Zamasayo, Boto. Sambela, qui était les hommes du maison à l'Itumba. Oyaki Koyo Kango Pamati. Thank you.
Peut-être que le diable a préparé quelque chose.